La place rouge était vide. Devant lui marchait Nathalie. Il avait un joli nom, son guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Il la suivait par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Lui pensait déjà qu'après le tombeau de Lénine, ils iraient au café Pouchkine boire du chocolat. La place rouge était vide. Il prit son bras et la sourit. Il avait des cheveux blonds, son guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On arrive, on a beaucoup parlé. Ils voulaient tout savoir, Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées, ils ont tout mélangé, ils ont dansé. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France. Ils ont chanté. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Il est resté seul avec son guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine. Oh, c'était loin tout ça. Que le temps lui semble vide, mais il sait qu'un jour à Paris, c'est lui qui lui servira de guide, Nathalie.